matin à toutes et tous, on se retrouve pour le message de ce jeudi 8 février 2024. J'espère que vous allez toutes et tous bien. Alors aujourd'hui, l'affirmation positive pour cette journée, tout ce dont j'ai besoin arrive au bon moment, j'ai confiance en la vie. Tout ce dont j'ai besoin arrive au bon moment, j'ai confiance en la vie. Tout ce dont j'ai besoin arrive au bon moment, j'ai confiance en la vie. Aujourd'hui, j'ai pigé, présent. Je suis ici et maintenant, dans l'instant présent. Le présent, eh bien, c'est le ici et maintenant. On peut avoir présentement de la gratitude, de l'amour. Ce sont aussi des moments de paix, le présent. Pour certains d'entre vous, êtes-vous réellement ici et maintenant? Êtes-vous réellement ici et maintenant? Dans quelle direction vont vos pensées? Bonne question. Est-ce que vos pensées sont dans le passé, dans le présent ou dans le futur? Si vous faites une pause, un instant, afin d'examiner vos pensées, vous vous apercevrez qu'elles sont peut-être encore, malheureusement tournées vers le passé. À ruminer les événements douloureux que vous avez vécus ou tenter de refaire vainement votre histoire. Mais vous le savez dans le fond de vous-même. Le passé, vous ne savez plus rien y faire. Il est passé, il a été vécu. Donc, ressasser vous rend malade pour ce qui a été, ruminer pour ce qui a été. Est-ce que vous êtes plus heureux, heureuse à faire cela? Est-ce que ça change quelque chose? Non. Non, ça ne change rien. Cette focalisation sur le passé, elle vous bloque. Toute cette énergie que vous y mettez vous empêche d'avancer sur votre chemin. Vos pensées sont peut-être aussi tournées vers le futur pour certains d'entre vous. Et ce futur qui vous préoccupe tant, où vous imaginez ce qui pourrait arriver et peut-être pas de manière positive. Ce qui vous cause, on va le dire comme ça, du stress et des angoisses. Alors le passé est passé et vous ne pouvez pas le changer. Et le futur, le futur n'est pas encore arrivé et reste hypothétique, n'est-ce pas? Vous vivez au présent. Alors restez dans l'instant présent et vous n'aurez plus d'angoisse, plus de stress. Alors, pour rester dans ce moment présent, portez votre attention au battement de votre petit cœur et à votre respiration et sentez le souffle qui vous anime et cette paix qui vous envahit. Comme cela fait du bien. Vous pouvez aussi contempler la nature, laisser l'énergie d'amour et de gratitude vous envahir, n'est-ce pas? Tout ce que vous faites, faites-le en conscience, c'est-à-dire
en portant votre attention sur tous vos gestes, sur tous vos mouvements. Ne soyez pas absent de votre vie. Soyez présent. Alors, cette carte que j'ai pigée, elle annonce peut-être aussi un cadeau, un présent qu'on va vous faire aujourd'hui. Vivez en conscience. Vivez le ici et maintenant. Le passé, vous le laissez derrière vous parce que vous ne savez plus rien y faire. Et le futur, ben vous ne le connaissez pas. Donc, vivez l'instant présent. Quelques affirmations positives à ce sujet. Je suis dans l'instant présent. Je vis pleinement le moment présent. Je m'aime ici et maintenant. Tout va bien aller, tout va bien aller. Je décide de changer et je commence maintenant. Et je terminerai dans les affirmations. Je guéris en ce moment même, présentement, je guéris. Encore un magnifique message, n'est-ce pas ? Allez, je termine avec ne plus se mettre en colère. Et j'ai pigé aujourd'hui. Lorsque je mets le doigt sur le problème, je le considère avec bienveillance. Cette colère est légitime, mais ce n'est pas un outil de changement puisqu'elle ne cesse de se répéter. Inlassablement identique. Mieux vaut tenter de changer quelque chose en soi, ses attentes, son point de vue, ses projections sur l'autre. Voilà le message « Ne plus se mettre en colère » d'aujourd'hui. Je vous souhaite une excellente journée. On se retrouve demain et d'ici là, portez-vous bien et moi je vous embrasse et je vous dis à demain.